Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Nous avons vu qu'un principe fondamental pour exercer l'autorité, c'est la soumission. Alors moi, j'ai pas tout bien compris. Mais pourquoi on a de l'autorité si on est soumis ? Eh bien, j'ai parlé du centenier romain dans Matthieu 8. Matthieu 8:9, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je vous propose d'aller voir l'épisode précédent pour bien comprendre. Dans l'islam, le terme musulman veut dire soumis à Dieu. Et en tant que disciple de Christ, la soumission est la base même du combat spirituel. Jésus ne faisait pas ce qu'il avait envie. Jean 5, verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il ne disait pas non plus tout ce qui lui passait en tête. Jean 8, verset 38, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Ouais, j'en connais qui ont tendance à balancer tout ce qui leur passe par la tête sans réfléchir aux conséquences. Moi, je veux pas être soumis. Comment est-ce qu'on peut être libre d'un côté et soumis d'un autre? Si t'es soumis, t'es pas libre. Et pourtant, c'est devant notre soumission à Dieu que l'ennemi va fuir. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyons cela. Si tu es malade et que tu dois aller à l'hôpital avec des rendez-vous précis et un traitement à prendre à heure fixe parce que ta vie en dépend, eh ben, tu vas mettre un réveil pour être sûr de ne pas oublier de prendre ton médicament. Tu vas entourer en rouge sur le calendrier toutes les dates de tes rendez-vous pour ne pas les oublier. De la même manière, tu te lèves parfois tôt pour aller au travail. Un travail qui peut être épuisant physiquement ou épuisant psychologiquement parce qu'il faut supporter certains collègues difficiles, des supérieurs manipulateurs ou des responsables injustes. Mais pourtant, tu y retournes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un salaire à la fin du mois. Tu soumets ton corps, tu soumets ton âme à la souffrance pour quelques euros à la fin du mois. Et à côté de ça, quand l'Esprit de Dieu t'invite à passer du temps dans la parole avec lui, comment est-ce que tu réponds ? Oh, moi je suis crevé, hein. Je lirai demain matin. Ouais, mais j'ai pas le temps. Le boulot me prend toute la journée et en rentrant, je dois m'occuper des gosses, faire le ménage, la cuisine. Ah, et pendant les vacances ? Bah, les vacances, moi je me repose, hein. Faut que je récupère pour affronter le retour. Donc tu as du temps pour regarder les séries sur Netflix, pour passer des heures au téléphone, pour des jeux vidéo. Eh bien, puisque tu passes plus de temps avec ces choses-là et que tu te reconnais dans ce qu'on vient de dire, et si jamais tu traverses un combat en ce moment, eh bien je te propose d'appeler Netflix pour qu'il combatte avec toi dans l'esprit. La grande question c'est, quelle est notre consécration à la parole de Dieu ? Et je ne parle pas d'aller vivre dans un monastère isolé comme des moines. Non, pour reprendre l'image de l'hôpital, la parole de Dieu est un traitement à vie. Un traitement éternel même. Puisqu'en tant que chrétien, la réalité de Dieu est notre réalité. C'est le monde auquel nous appartenons depuis que nous avons donné notre vie à Jésus. Notre cœur et notre mentalité ne doivent plus être façonnés par ce que l'on voit, mais par ce que Dieu a dit, l'Évangile. Je suis dans un travail, c'est cool, mais pourquoi j'y suis ? Parce que j'ai de gros diplômes ! Parce que je connais bien la directrice ! Parce que j'ai travaillé dur pour y arriver. Est-ce que Dieu a un problème avec les diplômes? Pour connecter les gens? Pour te donner de la force? Ah non, Dieu peut tout. Donc, si tu es là, c'est pas grâce à toi, c'est parce que Dieu t'a envoyé là. Mais pourquoi faire? Il attend quoi de moi? Parce que j'ai quand même des bons diplômes. J'ai bossé dur pour les avoir. Dieu t'a placé là et il t'a donné autorité pour proclamer son royaume. Ah non, hein. Si je commence à parler de l'évangile à mes collègues, je vais me faire virer. Si tu es soumis à ce que Dieu a dit, si tu vis comme un disciple de Christ, tu n'auras pas forcément besoin d'un micro pour parler de Jésus. Ta manière d'agir, ta manière d'être, ta manière de vivre les relations avec les uns les autres va interroger, va faire que les collègues vont se poser des questions et venir vers toi. Tu as quelque chose de différent. Ce quelque chose, c'est Jésus. Quel est l'intérêt de la parole de Dieu dans ce que tu fais ? Si Dieu t'a envoyé là, c'est parce qu'il sait que tel ou tel collègue a besoin de Jésus, que son enfant a besoin de prière. Ne regardons plus à la personne qui aime parler dans le dos des autres, regardons à Dieu qui nous a placés là pour confronter l'esprit qui anime cette personne. Tu ne remarques peut-être pas que cette personne qui te cause des problèmes est animée par un esprit mauvais, un esprit qui a vu la lumière briller en toi. Un esprit qui sait que si la personne qu'il tient liée s'approche trop de toi, elle sera libérée. Parce qu'en s'approchant de toi, en fait, elle s'approche de Jésus qui vit en toi. Et Jésus est venu pourquoi ? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Tu es là où tu es parce que Dieu veut travailler avec toi
à cet endroit. Et si tu es en train d'être sorti d'un endroit, d'être sorti, hein, c'est pas toi qui te sauves comme Jonas qui s'est enfui. Si tu es en train d'être sorti de l'endroit où tu es, c'est que Dieu veut te faire travailler ailleurs. Ne t'inquiète pas pour les collègues chez qui tu as semé. Paul dira dans 1 Corinthiens 3:6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Dieu a prévu un Apollos ou une Apollette pour arroser ce que tu as planté. En étant soumis à Dieu, c'est-à-dire en lui soumettant ta vie, tes relations, tes idées, tes projets, ton travail, Dieu te fait entrer dans d'autres sphères d'autorité.